un film vidéo. Je vais regarder si je commence. Allez, on bouge un petit peu là. Ça bouge. Hein. Un point, vous savez plus au lit égale un point. Plus personne ne confond. On est frères, vrais frères. Pas genre... Ça va, frère ? Tu vois ce que je veux dire ? On a les mêmes parents, quoi. Enfin, je crois. Comme ça, tout le monde est au courant de ça aussi. On est né à Toulouse. Les briques rouges, les carreaux, les violettes, les capitoles, bla bla bla. Et nous, depuis tout petit, non, encore plus petit. Voilà. On fait de la musique. En s'imaginant être dans les plus grandes salles. Les gens crient notre nom. C'est le feu. Il y a des confettis. On était juste dans la chambre. Notre père est chanteur de salsa. Et notre mère vend des voyages. C'est marrant, parce qu'aujourd'hui on est chanteur et on voyage beaucoup. Ça réunit les deux. On a fait le conservatoire. Big Flo, la batterie. Et Oli de la trompette. On écrivait déjà des petits poèmes, des histoires. Bon, c'était pas fou, mais c'était le début, quoi. Et puis un jour, on a rencontré le rat. Ça a été une révélation. Un choc. Et on a dit, c'est ça qu'on veut faire. Alors, on a pris une marmite et on a mis la trompette d'Oli, la batterie de Flo, les mots qu'on avait écrits, les chansons de notre père, le rat, et on a mélangé, et paf, ça a fait notre premier album. Ce qui est fou, c'est qu'au début, c'est notre famille et nos amis qui écoutaient. Et petit à petit, grâce à Internet, on est devenus de plus en plus nombreux. Plein de gens super cool se sont mis à nous soutenir. Si vous n'avez pas compris, là, on parle de vous. Pas tous. Pas ceux qui ont accompagné leur ami ou leur copine, alors qu'eux, en fait, Big Flo et Oli, ils s'en foutent, mais alors complètement. Là, ils ont les boules d'avoir payé presque 40 euros pour voir des artistes qu'ils écoutent même pas. Ce premier album, il a marché bien plus que ce qu'on espérait. On en a vendu plus de 100 000. Aujourd'hui, on est riche. On vit à Miami, dans une grosse villa, avec 5 voitures pleines de meufs et du champagne. Ouais, bon, en vrai, on vit toujours à Toulouse avec nos potes. Y'a pas grand chose qui a changé. À part que oui, on est riche. Et on a changé de voiture aussi. Et comme. Mais chut, putain, qu'est-ce que tu fais ? Pardon. Y'a pas si longtemps, on a sorti notre deuxième album. On l'a appelé La Vraie Vie. Tout simplement. Les gars, déballez le décor. Test des basses. Test lumière. Ok.
Merci vraiment à tous d'être là. On peut commencer. Je m'amuse comme milice, je fous me cœur
dans ma tête, ils me disent que ce sera pas tout seul, putain, mais c'est ce qu'on fait. Je crois plus dans l'histoire, ils font tellement de choses que j'ai pas à croire. T'es trop content, que tu joues plus des vols d'argent du corps.